Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un de mes livres de coloriage. Donc c'est toujours aux éditions Hachette Loisir, hein, c'est mes préférés forcément. Celui-ci c'est le 100 nouveaux coloriages anti-stress que j'ai trouvé à 4-5 euros à Stokomanie. Il y en avait beaucoup, mais c'était pas vraiment des qui me faisaient envie, ou il y en avait certains que j'avais déjà. Voilà, je sais pas si c'est encore d'actualité. Mais voilà, ils étaient tous, ils sont tous neufs, en excellent état, hein, et voilà, pour 4-5 euros, il me semble. Donc dans ceci, vous pouvez utiliser l'écran de couleur et les feutres sans souci. Le papier est vraiment très très bien. Donc on va commencer tout de suite pour que ce soit pas trop long. N'hésitez pas à faire pause si vous trouvez que je vais trop vite. Donc comme d'habitude, une petite introduction. Et ensuite on enchaîne. Et là, premier détail que vous voyez, c'est que les dessins s'arrêtent à... Voilà, vous avez des marges. Habituellement, il n'y a pas forcément. Donc ça peut vous permettre, voilà, de signer en bas, de rajouter la date. Voilà, si vous voulez. Il y en a certains que ça va arranger, d'autres non. Ou sinon, même si vous voulez voilà, couper votre page et l'encadrer, ça va être possible. Ça peut faire un dessin voilà, plus net et propre. J'aime beaucoup quand c'est très... Enfin voilà, les traits sont très noircis, j'aime beaucoup. Merci Chippy pour cet interlude de pain. Je mettrai une musique de fond de toute manière parce que je pense que voilà, elle va faire ça tout le long des vidéos, ça va être magnifique. Donc mi floral, mi graphique, enfin voilà, j'aime plutôt. Même si voilà, c'est des doubles pages. On va faire des effets graphiques intéressants. Pareil, encore une double page. Double page. Que vous voyez. Je pense que ouais, une aurait suffi. Ou voilà, je vais en faire une avec des couleurs basiques et peut-être une avec des couleurs flashy. Ou une crème couleur, une feutre. Sinon, ça fait trop, je pense. Enfin, je trouve. Là, j'ai un petit défaut. Je sais pas si vous allez le voir. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont été un petit peu bradés. C'est qu'il y a quelques petits défauts. Je pense que vous voyez les traits là.
Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'ils les vendent moins cher. Enfin, qu'ils sont partis en la direction sociale, quoi. Je pense qu'à l'imprimerie, ils vérifient et que voilà, ceux qui n'ont pas passé le test final, voilà, sont bradés et vendus à des déstockeurs. Donc, voilà, j'ai une page, voilà. Enfin, j'ai trouvé qu'il n'y a qu'une page. J'aime beaucoup cette dernière page. Et là, j'en ai aucun. Donc, ils étaient disponibles, celui-ci y était, celui-ci aussi, celui-là aussi il me semble. Milenu il y était, et le psychédélique aussi il y était. À ce coup donc. Et plein d'autres. Je crois même que c'est de là aussi. Mais bon, c'est soit trop fleuri, soit que de mandala, soit. Enfin voilà, c'était pas. Voilà, j'ai pas été happé par les dessins à l'intérieur, donc mais bon, normalement ils sont à 12,90€, mais bon, je vous conseille de les acheter voilà, soit à Stocco si vous en trouvez de temps en temps Aldi aussi vous en avez, ou les acheter en grande surface ou les acheter en librairie, sinon vous avez toujours les 5%. Donc voilà pour cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.